les apprenants. Je suis M. Aristide Lebongi, professeur de philosophie. Comme d'habitude, nous allons continuer notre voyage de pensée. Et aujourd'hui, nous allons parler du but de la connaissance. Du but de la connaissance. But voilà, nous allons parler du but de la connaissance. C'est pourquoi, à la fin de cette séquence portant sur le but de la connaissance, l'apprenant de la classe de terminale doit être capable de dégager tout le but de la connaissance au travers de l'exposé du professeur. Mais bien avant, chers apprenants, j'aimerais que nous fassions une rétrospective, c'est-à-dire revenir en arrière pour essayer de caractériser les sources de la connaissance que nous avons étudiées lors de la séance antérieure. Bien. Nous avons étudié trois doctrines de la connaissance, à savoir le rationalisme, l'empirisme et le criticisme. Rationalisme, empirisme et enfin criticisme. Alors, c'est quoi le rationalisme? Le rationalisme est cette doctrine philosophique qui considère la raison comme l'unique moyen de nos connaissances. Autrement dit, l'homme connaît à partir de la raison. Et à ce niveau, la connaissance est dite innée. Autrement dit, a priori, c'est-à-dire elle existe indépendamment des organes des sens. Alors, nous allons mettre à côté du rationalisme la raison. Alors, qu'en est-il de l'empirisme? L'empirisme, nous avons d'abord le mot empiria du grec, qui veut dire expérience. Et l'empirisme désigne cette doctrine philosophique qui fait de l'expérience la source de nos connaissances. Autrement dit, l'homme connaît à travers ses organes de sens. Alors ici, la connaissance n'est pas innée, elle est plutôt acquise au moyen de l'expérience sensible. Et enfin, le criticisme. D'où vient la connaissance? D'abord, c'est quoi le criticisme? Nous avons dit que le criticisme est cette doctrine d'Emmanuel Kant qui se fonde sur la critique. Alors, la critique de quoi? La critique du pouvoir de la raison. Voilà. La critique du pouvoir de la raison et de la valeur de la connaissance. Alors, d'après le criticisme, d'où vient la connaissance? Est-ce la connaissance vient de la raison seule? Est-ce la connaissance vient de l'expérience seule? Alors, la réponse d'Emmanuel Kant est claire. La connaissance relève d'un schème, c'est-à-dire, elle est une construction, elle est un processus qui nécessite aussi bien la sociabilité, l'unicité de l'expérience sensible et de la raison.
ici, nous allons mettre expérience, c'est-à-dire la sensibilité, et la sensibilité renvoie à quoi? Renvoie les données au niveau de l'entendement. Alors, si l'entendement essaie de faire la synthèse des données de la sensibilité des sens, le travail ne s'arrête pas au niveau de l'entendement. L'entendement doit renvoyer ses connaissances et données au niveau de la raison en tant que la faculté supérieure, la faculté des concepts. Alors, c'est pour autant dire que si la connaissance commence par la sensibilité, elle ne s'arrête pas là. Elle doit passer par l'entendement pour finir au niveau de la raison. Donc, sans ce processus, il n'y a pas de connaissance. Alors, chers apprenants, c'est pour vous dire que si vous avez un sujet, par exemple, qui met l'empirisme à la thèse, je prends un exemple, sentir est-ce connaître. Sentir est-ce connaître. Autrement dit, les organes de sens garantissent-ils la connaissance? Alors, l'empirisme sera la thèse. Et le rationalisme, l'antithèse. Le criticisme sera votre synthèse pour dire que la connaissance, si à la thèse vous avez dit que la connaissance vient de l'expérience sensible, elle est acquise. À l'antithèse, vous allez dire non, les sens nous trompent, la connaissance émane de la raison et elle est innée. Alors, en fin de compte, avec Emmanuel Kant, au niveau du criticisme, vous allez montrer non, les sens seuls ou encore la raison seule ne garantit pas la connaissance. Pour qu'il y ait la connaissance, il faut associer d'un côté les sens et de l'autre la raison. Donc, sans cette complémentarité entre ces deux facultés, il n'y a pas de connaissance. Voilà, ça c'est ce que nous avons étudié la séance passée. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler de quoi? Du but de la connaissance. Alors, que signifie but? But veut dire quoi? Nous avons déjà défini la connaissance. Mais nous ne pouvons pas parler du but de la connaissance sans dire au préalable ce que c'est que le but. Alors, le but ici, c'est l'objectif. L'objectif. Le but, c'est le point culminant, c'est-à-dire ce que l'on veut atteindre. Lorsque l'homme cherche la connaissance, c'est pour aboutir à quoi? Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, le but de la connaissance, chers apprenants. Aristote, dans la métaphysique, nous dit « L'homme manifeste par nature le plaisir de connaître. » Voilà, Aristote. J'ai dit « dans la métaphysique ». Plus précisément, le livre 1. L'homme possède par nature le plaisir de
connaître. Ça veut dire que le désir du savoir est inné en l'homme. Mais pourquoi l'homme cherche-t-il à connaître? Que vise la connaissance? Que vise la connaissance? Autrement dit, en voulant connaître, qu'est-ce que l'homme veut atteindre? Où est-ce qu'il veut arriver? Alors, toujours Aristote nous donne la réponse à cette question. Alors, si l'homme cherche à connaître, c'est parce qu'il veut atteindre la vérité. Donc, le but de la connaissance, c'est la conquête, c'est la recherche de la vérité. De la connaissance, deux points. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Que l'une des aspirations principales de l'homme, c'est la vérité. Mais pour atteindre la vérité, l'homme passe par quoi? L'homme passe par la connaissance. C'est pour dire que le plaisir de la connaissance débouche sur le plaisir de la vérité. Donc, sans l'envie de la connaissance, l'homme n'allait pas manifester le désir d'atteindre la vérité. Et Aristote le dit clairement dans la métaphysique. Voici ce qu'il dit en substance. On a donc raison d'appeler la philosophie science de la vérité. En effet, la fin d'une science théorique est la vérité, tandis que celle d'une science pratique est l'action. Voilà. On a donc raison d'appeler la philosophie, science de la vérité. En effet, la fin d'une science théorique est la vérité. La fin d'une science théorique est la vérité, tandis que celle d'une science pratique est l'action. Voilà. Je reprends la lecture de la pensée d'Aristote. On a donc raison d'appeler la philosophie science de la vérité. En effet, la fin d'une science théorique est la vérité, tandis que celle d'une science pratique est l'action. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Aristote fait la distinction entre
la science théorique et la science pratique. Une science est dite théorique quand elle s'assigne pour finalité la vérité. Et une science qui est pratique, elle vise quoi? Quel est son objectif? C'est l'action, c'est l'agir. Alors, pour le cas de la philosophie est une science théorique. Et toute science théorique voudrait atteindre quoi? La vérité. Alors, voilà pourquoi, quand les premiers hommes ont commencé à interpréter les phénomènes de la nature, à expliquer les phénomènes de la lune, du soleil, de l'éclipse, de la mort, bref, ils voulaient connaître l'essence ou les propriétés intrinsèques des objets. Autrement dit, si les premiers hommes ont interprété les phénomènes de la nature, c'est parce qu'ils voulaient atteindre la vérité. Et cette science qui permettait aux hommes d'interpréter ou d'expliquer les phénomènes naturels n'était autre que la philosophie. Voilà pourquoi Aristote dit « l'interprétation ou la spéculation nous conduit à quoi ? Nous conduit à la vérité. » Alors, il y a un autre mot qui pose problème, la fin. Et la fin. Fin ici est synonyme de but. Donc, on peut remplacer la fin par le but. On dira, en effet, le but d'une science théorique, le but d'une science qui se donne pour mission l'interprétation ou l'explication des phénomènes naturels, c'est l'atteinte de la vérité. Voyez? Donc ici, les hommes sont allés à la conquête de la vérité. En passant par quoi? En passant par la philosophie. Or, la philosophie est elle-même une connaissance. Donc, elle devient cette connaissance qui a pour but la vérité. Autrement dit, la philosophie en tant que connaissance nous conduit à la vérité. La philosophie devient la voie par laquelle l'homme accède à la vérité, accède à la connaissance des choses dans leur nature. Bien, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de la séance de ce jour, portant sur le but de la connaissance. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toute connaissance vise la vérité. Et il n'y a pas une autre finalité de la connaissance que d'aller à la quête de la vérité. Bien. Alors, à la maison, essayez de chercher d'autres auteurs en dehors d'Aristote qui confèrent à la connaissance le but, j'allais dire, d'autres philosophes qui font de la vérité la finalité de toute connaissance. Merci, nous avons terminé la séance de ce jour. Prochainement, nous parlerons de l'importance de la connaissance. Ah, notez l'importance de la connaissance, c'est le petit b. Merci, au revoir.